va déjà l'allumer. Et là, il y a deux micros et du coup, on va pouvoir parler et pouvoir nous enregistrer en présentant notre podcast. Mon rôle, c'est que j'active le jingle. Nous avons un atelier enregistrement où les élèves s'enregistrent après avoir fait le jingle. C'est des élèves qui allaient déjà sur les réseaux sociaux. Il fallait quand même leur apprendre à lire une image ou à écouter une information et à vérifier une source. La classe média et le podcast, c'est interdisciplinaire. On aborde le français, la recherche, l'histoire, la géographie et beaucoup l'échange et l'oralité. L'objectif, c'est vraiment que les enfants soient investis, apprennent des choses sans s'en rendre compte. Dans cet atelier, il faut écouter des extraits de podcast pour remplir une fiche comme ça et marquer des questions. La présence d'un tapis, on a trouvé... rythme électronique. Écouter ce podcast et le mettre en article. Avec les 5 W. Comment, pourquoi. On doit poser des questions aux enfants et aux parents. Pour notre prochain podcast, à quoi ça sert de faire du sport. On doit écrire un article sur Michael Jérémias. Michael Jérémias, c'est quelqu'un qui fait du tennis avec un handicap. Et ce handicap, il l'a eu à cause d'une chute en ski. La classe média permet de travailler l'autonomie et le fait qu'ils aient le sens des responsabilités et le sens de leurs propres ateliers. Il faut laisser le temps aux élèves d'assimiler, de comprendre la démarche, de faire des propositions d'eux-mêmes. Ce n'est pas à nous d'imposer. Et c'est ça qu'on apprend, la patience. Les choses arrivent et il faut que ça vienne d'eux. Bonjour, vous êtes sur Harmonie.